J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Avant de commencer la petite vidéo, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci toujours aux anciens d'être présents. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand mes vidéos sortent. Alors, je vois qu'il y en a qui doivent froncer déjà les yeux. Café à l'eau, petit gâteau, planning. Mais qu'est-ce que c'est cette vidéo encore qu'elle nous fait, Karine? Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, donc déjà, petit café parce que je viens de rentrer, que j'ai besoin d'un petit peu de force. Hop là, on va se caler un peu comme ça. Le planning, on va parler du planning et les petits gâteaux bijoux, bah voilà, c'est pour la vidéo, on va dire. Ça vous va? Allez, hop, du coup, ça, là. Alors, le petit planning. Alors, je reviens sur cette histoire de planning. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en hauteur pour que vous puissiez voir? Ouais, je vous sors le gros modèle de la boîte à gâteaux à Madeleine que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps chez ma cousine. Vous voyez? Alors. Voilà. Et hop, alors, je vous ai fait cette semaine une petite vidéo où je vous ai présenté mon petit planning. Voilà, donc toujours d'actualité. Hein. Donc, on va parler du moment où je fais... Alors, attendez, je ne sais plus ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Voilà. On va parler de mon jeudi après-midi en passant par... le tirage au sort de la vidéo du point de croix de la semaine. Voilà, donc je sais qu'il y en a une qui a déjà compris de quoi j'allais parler. On va pas citer ton nom, hein. Donc hier on était en visio donc avec cette brave madame qui s'appelle Valérie la française. Et on parlait, puis elle me dit mais comment tu vas faire ta alors attendez, est-ce que je me trompe pas? Comment tu vas faire pour ta toile de la semaine? C'est ton défi? Voilà, bref, je sais plus trop le contexte. Et du coup, je dis, bah, je vais faire mon tirage au sort à la roulette. Voilà. Je dis, entre la gorgeous, la dame au chapeau, les chats de Vanessa, le chat de mon partenariat, le partenariat Disney. Voilà, je dis, bah, je fais le jeu de la roulette et hop. Et là, elle me dit, non, 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 non. La dame au chapeau et les chats, le chat de ton partenariat, non, 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 non. Elle me dit, si t'en recommences un, j'en recommence un. Je dis, bah, qu'est-ce que... Bah, chiche. Voilà, chiche. Donc, du coup, on est parti dans un délire toutes les deux. Non, mais hier, on était déchaînés, hein. Oui, oui, Valérie, déchaînée. Oui, oui, je te confirme, tu étais déchaînée hier. Déchaînée, pas dans le même sens que moi. Hein, parce que moi, quand je suis déchaînée. Et voilà. Donc... nous voilà partis toutes les deux à choisir une nouvelle toile à commencer. Bien évidemment, on n'en a pas assez de commencer, on en recommence une. Normal, vous allez me dire, totalement normal. Donc nous voilà partis. Le problème, c'est qu'on a bugué, on ne savait pas quelle toile choisir. Elle hésitait entre la toile qu'elle a craquée de Vanessa, donc c'est la petite fille sur le bureau si je me trompe pas, et la dame chinoise. Oula, pardon. Et bien évidemment, moi, j'hésitais entre la dame au chapeau qu'elle m'avait offert et le chat que mon mari a choisi dans un partenariat. Voilà. Donc elle fait son tirage au sort, elle tombe sur la dame, la petite fille au bureau, et moi sur la dame au chapeau. Donc, je suis contente, j'ai pu la commencer, je l'ai eu à l'usure. Voilà, vous voyez pas ma banane, hein, mais vous devez l'entendre. Voilà. Donc, hier après-midi, on a commencé à préparer la toile. Du moins,
Moi, je partais dans l'optique de préparer les fils pour la toile. Voilà. Elle, donc j'ai pris ma petite boîte que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Vous vous rappelez de la petite vidéo? Voilà. Où j'ai commencé à mettre les petits chiffres, hein, comme vous pouvez le voir. Et à tortillonner mon premier fil. Et puis là, d'un seul coup, je comprends que Valérie donc m'avait dit qu'elle allait faire sur les bobinettes que je lui ai offert sa mise en place, mais qu'elle ne fait pas sa mise en place. Elle a commencé déjà à broder. Non, mais lol. Lol, je lui dis. Donc, je repose et j'attaque. Et là, elle a fait un système que j'ai piqué pour faire la toile. Je vous explique. On va enlever ça. Donc là, c'est mon petit papier brouillon. Là, je vais vous faire voir quand même le motif pour les personnes qui n'avaient pas vu la vidéo. Donc, c'est la dame au chapeau. Voilà, j'ai craqué dessus. Et elle me l'a offert. Voilà. Donc ça, c'est mon petit brouillon. Après, je vais le faire sur ma petite fiche cartonnée. Donc moi, je commence à compter mon nombre de points d'un côté et de l'autre. Voilà. Et Valérie fait un tirage au sort. Elle me dit, je vais faire un tirage au sort, comme ça, elle va me donner ma colonne et ma ligne. Et je vais broder là où on va me dire. Et là, bah, je dis, bah, banco, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, première colonne que j'ai tirée, c'est la colonne numéro 13 et la ligne 14 que j'ai déjà réalisée. Voilà. Je vais essayer. Je vous dis bien, je vais essayer de prendre une photo à chaque fois que j'ai fini ma case pour faire un système de montage comme j'ai prévu de faire sur le défi 2023. Donc, je vais attaquer ma deuxième case tout en papotant parce que j'ai d'autres choses à vous raconter. Mais le but, c'est que je travaille un petit peu. Voilà. Avant de travailler, on va prendre des forces, évidemment. Désolée pour les oreilles. Oula. On va prendre un petit peu de force. Il faut bien que je goûte la madeleine pour être sûre que j'empoisonne pas mon mari. N'est-ce pas? Non, mais. Alors. Donc, deuxième tirage hier après-midi, colonne 10, ligne 11. Je vais noter à chaque fois mes colonnes. Là, j'ai pris la photo de la toile donc de la première case. J'ai oublié de prendre la photo de la toile non faite. C'est pas grave. Ah, attendez. Me revoilà. Alors, il s'est passé une journée depuis que j'ai fait la première partie de la vidéo d'hier. Donc là, on est le vendredi, non, le samedi 18. Voilà. Et du coup, je viens pour commencer la vidéo. Je suis allée me reposer un petit peu. Et j'ai une petite demoiselle qui s'est installée sur mon joli foulard. Voilà, que j'avais laissé sur la table. Un bébé? Oh bah dis donc, c'est la grosse paille. Voilà, donc je vais être accompagnée pour la vidéo de Pixel. Pixel, non, tu t'en vas du compte, mon petit cœur. Voilà, donc Pixou qui est en train de se réveiller tranquillou. Ah mon petit chat? Bon bah voilà, elle est partie. Allez, moi je vous tourne vers moi. Hop, 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 on va essayer de pas vous faire tomber. Hop. Voilà. Le petit café est de retour. Les petits gâteaux aussi, comme on a changé de jour. Voilà. Allez, donc on va commencer un petit peu la petite toile. Alors, je vous ai tout expliqué de mémoire, j'espère. Parce que du coup, on prend une vidéo comme ça, 24 heures après. C'est compliqué, hein. Donc. Normalement, j'étais avec mon fil et mon aiguille qui est là, le petit planning. Donc, comme on est samedi, je vais faire le tirage de la
toile sur laquelle je vais travailler cette semaine avec vous ici en vidéo. Hop là, attendez, hop. J'avais une petite paire de ciseaux. On va papoter. Et du coup, sur la ligne que je dois travailler, attendez, j'avais la petite feuille là. Donc, on a dit que c'était la ligne numéro 10. Et la 11e colonne, donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, hein, je dis. Donc ça ferait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben non, totalement faux, ma fille. C'est colonne 10. Ok. Je prends tout à l'envers. Alors, colonne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà, on est là, ma fille. Donc je pense avec celle-ci. Et ligne 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Il me semble que j'ai dit une caisse toute noire hier. Allez, hop. Donc, comme je vous ai expliqué, je fais le tirage au sort de mes cases. Voilà. On va plier un petit peu la petite toile. Hop là. Et on est parti. Est-ce que vous êtes loin de moi ou pas? Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas grand-chose. Je vais vous descendre d'un étage, comme d'habitude. Attention, petit tour de manège. Voilà. Voilà. Alors, je sais plus. Alors, hier, ouais, je voulais vous raconter un petit peu la semaine qui va arriver pour moi. Elle va être très, 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 très chargée. Déjà hier après-midi, mon papa m'avait appelé parce qu'il avait. On s'était rendu compte qu'il y avait un souci avec la géolocalisation de son téléphone, de sa téléalarme. Il ne le localisait pas au bon endroit, donc voilà. Et du coup, ça m'a pris une heure. On a appelé le service technique. Non, j'ai refait une simulation d'appel. Parce qu'ils veulent qu'on fasse des simulations d'appels de temps en temps pour voir si tout marche bien. Donc on a fait une simulation d'appel et elle localisait mon papa le matin alors qu'il était 3h de l'après-midi. Dernière localisation. Donc on m'a demandé d'appeler l'assistance. J'ai appelé l'assistance et je suis restée plus de 25 minutes à attendre qu'on me réponde. Donc j'étais un peu prise par le temps parce qu'à 4h on avait rendez-vous au médecin. J'ai du coup raccroché et appelé le service commercial. J'ai expliqué. Ils m'ont dit je vais demander qu'on vous rappelle au plus vite. Et ils m'ont rappelé un petit quart d'heure après, on va dire. Donc, le monsieur a fait des manipulations sur le téléphone à distance. Et ça remarche correctement. Voilà. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, j'ai une très 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 grosse semaine. Je ne sais pas si je vais arriver à faire un peu mon planning. Ça me fait souci un petit peu. Pourquoi? Parce que demain c'est dimanche, Karine. Lundi, j'ai une formation, j'ai mon formateur qui monte. Ce n'était pas prévu qu'il monte, mais du coup, il monte parce qu'il a des choses à me faire voir, comme j'ai des commandes à faire partir. Donc du coup il monte demain lundi. On va travailler dessus. Donc lundi j'attaque très très tôt parce que j'ai un gros catalogue nettoyage à mettre en place. Nettoyage rangement. Je vais faire ma journée de formation là, juste après. Mardi j'ai rendez-vous au dentiste pour mon papa l'après-midi. Mercredi, alors j'avais rendez-vous avec ma copine à Grenoble pour rencontrer sa petite poupette. Sauf que j'ai annulé parce que du coup le jeudi j'ai formation aussi.
Et le vendredi. Alors, attendez, vendredi, qu'est-ce que j'ai de prévu vendredi? Qu'est-ce que j'ai vendredi? Attendez, je vais vous dire ce que j'ai vendredi. Bah, je sais plus ce que j'ai pas marqué, mais je suis sûre d'avoir un truc vendredi. Je suis quasi certaine d'avoir un truc vendredi. Ouais, voilà. Donc, la mercredi, je vais me reposer parce que ben, les matinées vont être chargées. Ah si, ça y est. Vendredi, j'ai une implantation au magasin. On refait un rayon complet avec les commerciaux et du coup, voilà, ça va être une grosse journée également. Voilà, donc la semaine va être très 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 chargée. Donc déjà mardi, je pourrais même pas faire la vidéo que j'avais dit. Vidéo colo plus montage. Je sais même plus à quelle heure j'ai rendez-vous dentiste. Je crois que c'est en début d'après-midi ou en fin d'après-midi, je sais plus. Heureusement, je commence à noter mes trucs. Hein. Le 21, on a rendez-vous à 14h20. Voilà. Donc après, je vais rentrer. Après, j'ai toujours des petites choses à faire à la maison. Voilà. Donc là, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je vais pas rester très très longtemps avec vous parce que du coup, j'ai la vidéo du défi 2023 avec Vanessa à réaliser. Comme ça, après, je fais le montage de celle-ci. Je vous la sors. Je vais vous la sortir aujourd'hui. En ce moment, les vidéos, je vous les sors un petit peu à la Wild Again to Fly. Hein, parce que voilà, je vous fais les vidéos. Je veux pas trop attendre. Sachant que en plus, je sais qu'il y en a qui arrivent derrière aussi. Donc j'ai un partenariat qui arrive et une autre vidéo aussi un peu particulière à vous faire voir. Donc c'est vrai que là, il n'y a que la colo, la vidéo colo que j'essaye de vous faire et voilà. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ouais, les vidéos, ouais, vous allez dire, disons qu'elle s'est bien remis à un bon rythme. Oui, bah ouais, je m'en remets un petit peu dans un bon rythme. Donc là, cet après-midi, à la base, je devais aller donc chez ma cousine. Donc je suis sortie du boulot, je suis allée chez ma cousine voir sa petite toutoune qui s'était fait stériliser hier. Elle avait besoin que je passe la voir parce qu'elle était en souci. Donc le temps que Philippe y prépare à manger, je suis restée chez ma cousine, je suis revenue ici manger. On est reparti voir la chienne. Quand elle est arrivée, on lui a changé son frigo parce qu'elle avait un souci avec son frigo. Après, on est allé faire les courses et après, c'était prévu à la base que Philippe aille faire les courses et que moi je me repose, que je fasse les deux vidéos. Non, les deux vidéos et que je me repose, pardon, dans le bon sens. Du coup, je suis partie avec lui aux courses et je suis revenue des courses. J'ai rangé le frais. À côté de moi, j'ai encore mes sacs à ranger. Je suis allée me poser dans le canapé, j'ai dormi 20 minutes à peu près, 25 minutes, ça m'a fait du bien. Et je me suis levée, préparé le petit café et je me suis mis à la vidéo. Voilà, comme ça là je vais vous faire l'autre petite vidéo qui va sortir lundi. Voilà, déjà avant de... Donc je vais finir mes 4 points là. On va faire le tirage au sort ensemble pour savoir sur quelle toile lundi. À partir de lundi, je vais travailler une fois que j'aurai fait ma case de la semaine. Hop, ma fille.
Sachant que je sais même pas si je vais vous tourner la vidéo aujourd'hui de la case de la semaine parce que j'ai pas fini ma case. D'ailleurs, si je vous la tournais aujourd'hui la vidéo et demain je finirai toutes mes cases demain après-midi si on a visio avec les copines. Voilà. Hop. Alors, petit tirage au sort. On va se prendre un petit gorgée de café. De la roulette. Il est là. Il est là. Hop. Ça y est. Un sac vide. Schweppes et le tout. Alors, on va juste checker ensemble que j'ai tout mis. Non, il m'en manque la trappe-rêve. J'ai commencé en crachette avec donc j'ai la trappe-rêve, la dame au chapeau, le petit chat. Pourquoi le chat? J'ai mis le chat là. Ben non, le chat, il faut que j'enlève parce que je ne l'ai pas commencé, comme elle n'a pas été tirée l'autre jour. La toile de Vanessa, donc je l'appelle le chat Vanessa, la Gorgeous et la Disney. Et je crois que j'ai fait le tour de mes points de croix. Voilà. Bon, écoutez, si j'ai fait un oubli, c'est pas grave. Ça va, chef? On va voir ensemble. Allez, c'est parti. Donc, la toile de la semaine du 20 ou 21, ça sera les Gorgeous. Vous avez entendu mon petit. Mon petit A, voilà, j'ai du mal avec la gorgeous, hein. J'ai du mal. Donc pour la semaine qui fait, on va travailler au mois là de la semaine du 20 février au 26 février, du moins au 25 parce qu'en général le dimanche je me fais ma toile du défi de avec Vanessa, et ben on va travailler sur la gorgeous. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous abandonner, comme ça je vais pouvoir faire ma deuxième vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va travailler ensemble sur eh ben, la toile Gorgeous en vidéo du coup, et je ferai le tirage au sort pour la semaine d'après. Bien évidemment, si je retombe sur la Gorgeous, je changerai de point de croix pour pas travailler 2 semaines d'affilée sur la même toile. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.